Vous allez bien? Donc aujourd'hui, il va aller au parc Hockey Corral. Donc suivez bien, écoutez bien et on y va. Donc là, on va aller faire pionnier, mais vu qu'à côté il y a des petits décors, on va quand même aller regarder. Waouh! Regardez, il y a plein de sang partout! Merci! C'est ma main! Oh, ok! Il y a du sang partout! Du sang partout! Donc on est allé à Halloween. Hein. Donc là, c'est l'attraction qu'on va faire. Regarde. Ici, il y a un cheval. Donc là, on va aller voir la suite. On va passer par derrière. Ça résonne. Par contre, ça résonne beaucoup. On est dans la citrouille. On va faire caracal. Voilà. On a une attraction. Nous, c'est ça qu'on va faire. Le pionnier. What? Mon cœur, il va se soulever. Les décorations sont très jolies. Mamie, celui-là, il est ouvert. Donc là, nous allons faire pionnier. Et je vais monter dans un wagon. Allez, tchoupi. Il y a des arbres. Voilà qu'il y a. Allez, Kylian. Alors, oui. On a un. Maintenant, on va faire le col crèche. Le Gold Rush, c'était trop bien. Papa, il m'a fait mal à la tête. Surtout quand on fait deux tours en avant et après on fait un tour en arrière. J'ai levé les mains. Donc maintenant, on va faire l'aigle noir. Thank you.
parents vont faire le docteur Lozano, mais vu que c'est interdit aux moins de 15 ans, je peux pas le faire. Donc ils vont le faire. Donc là, voici une boutique. Il y en a plein dans le parc. On va aller par là maintenant. Maman et papa. Donc là, tu fais des tirs au but si tu gagnes. Là, vous avez des marchands. Là, c'est une autre boutique. L'attraction, là, elle n'est pas encore ouverte. On ne sait pas trop quand elle va ouvrir. Ah, il y a des trucs, des faucons là-bas. On va faire les bus. Oh, il y a presque personne. Ah bah oui, tu l'as sorti, ça. Donc là, c'est la tour. C'est la terre. Et ils ont fait plusieurs fois. C'est le dentiste. C'est des histoires pour les enfants. On va faire les amis. Tortue des chaises volantes. Thank you.
Tommy Nouvelle et d'honneur, applaudissez. Ou derrière, bien sûr, le bateau pour nous suivre, pour faire partie intégrante de cette parade d'Halloween 2023 à Haute-Corral. Alors, on vous allez vous montrer, c'est d'ici peu. Il suffit de nous suivre. Venez derrière, notamment, eh bien, le char des pirates. Et d'ici quelques minutes, vous aurez une agréable surprise. Mais pour l'heure, nous repartons en musique avec nos musiciens, les monstrueux. Est-ce que vous voulez vraiment nos fameuses surprises, Haribo? Vous êtes vraiment sûr? On vous entend pas, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Vous êtes vraiment sûr? Alors attention! 1, 2, 3, c'est parti! Maintenant, nous allons voir le spectacle d'Halloween. Dis donc, mon gamin, c'est comme ça qu'on accueille un émissaire dans ton pays? As-tu fini de jouer avec cette ridicule petite arquebuse? Bien, alors, laisse-moi te donner une bonne leçon. Mais qui êtes-vous? Tu vas le savoir bientôt, mais voyons si tu es réellement mon petit fillot.
deux, James. S'emparer du talisman, le gardien des enfers n'avait nul autre choix que d'aider ton père, puisqu'il était le seul, grâce à sa carte, de localiser le précieux César. Avec moi, on peut l'encourager s'il vous plaît, Nailly. Un monstre courageux aujourd'hui. Ça va, t'es en forme? Ouais, viens avec moi. Est-ce que t'as passé une belle journée? Super. Alors Nailly, t'as quel âge toi? 10 ans, tout rond? Cool. Nailly, je vais dans un instant te proposer quelque chose d'assez original, quelque chose qu'on ne t'a jamais proposé. Si j'avais la capacité de t'offrir un super pouvoir, quel pouvoir choisirais-tu? Ta carte blanche. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu peux aller très loin, vraiment. Tu peux. De voler? De voler dans le magasin? Non, pas celui-là. Alors, le fait de voler, on va pouvoir l'explorer dans un instant, mais que dirais-tu maintenant de devenir invisible? Est-ce que ce serait cool ou pas? Alors, viens avec moi, Nailly, et voici, chers amis, la nouvelle invention, viens avec moi, qu'on a mis au point ici, la machine à invisibilité! Pas mal, hein? Vous avez des petites LED rouges et tout, ça c'est Grégoire qui a installé ça, c'est super. Alors nous allons tester cette machine. Nailly, je t'invite à venir avec moi pour voir ça d'un peu plus près, à te placer devant le bar, juste ici. Et bah tiens, on va tester avec... Grégoire, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir avec nous? Oui. Yeah, ça va, t'es en forme, Grégoire? Oui. Oui, ça a peut-être pas duré. Enfin, on va voir. Grégoire, 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 Grégoire. Replace sur la chaise, s'il te plaît, mon bébé.
aller voir. Oui, le chapeau, très important. Au cas où tu ne reviennes pas visible. Ok, installe-toi s'il te plaît, confortablement, ne bouge pas. Maëlie, sois prête, car Grégoire va maintenant devenir invisible. S'il vous plaît, Léonore, t'en emmène la cape d'invisibilité. C'est parti. D'ailleurs, Grégoire, si tu m'entends, est-ce que tu peux faire un signe, quelque chose? T'es là, mon Grégoire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça? Attends, on met la main là, on va essayer un truc. Bouge pas, n'aie pas peur. Hein. Pardon, Grégoire, t'étais ici. Grégoire, fais un signe, tu m'entends? C'est un truc des malades, ça. Attends, on va essayer autre chose maintenant, Naïli. Grégoire, s'il te plaît, reste à côté de moi et on va tenter une nouvelle expérience. Léonore, est-ce qu'on aura un verre, s'il vous plaît, quelque chose à disposition? Ça, c'est la boisson préférée de Grégoire. Merci beaucoup. Mon Grégoire, si tu me vois, si tu m'entends, est-ce que tu peux, s'il te plaît, venir te mettre devant moi et m'aider à tenir ce verre-là? Parce que dans un instant, on va expliquer à ma vie. Wow, c'est trop cool, ça. Merci, mon Grégoire. Tiens, lâche le verre, s'il te plaît. Super. C'est bizarre ce qui vient de se passer. Maintenant, est-ce que toi, viens avec moi, ça t'intéresserait de devenir invisible comme Grégoire? Ce serait bien ou pas? Alors, tu sais quoi, tu vas pouvoir essayer. Tiens, Grégoire, super. Est descendu. Je t'invite à prendre place sur cette chaise, s'il te plaît. Alors, c'est pas la plus confortable, mais en tout cas, elle est bien solide. Tout va bien? Je sécurise tout ça. Ne bouge pas. Léonore, s'il vous plaît, pour la deuxième fois qu'on emmène la cape d'invisibilité. Merci beaucoup. Et les amis, on va encore compter ensemble jusqu'à 3. Et à 3, elle sera devenue complètement invisible. Attention, 1, 2, 3. Oh! Mais ça a marché, elle est invisible! C'est un truc bien. C'est la première fois que ça marche avec une invitée. Vous la voyez? Oh! Mais c'est un truc de malin. Est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que tu me vois? Je ne sais pas où tu es. Tu es encore sur la chaise? Alors, on va en profiter. Tiens, est-ce que tu peux descendre de la chaise, s'il te plaît? Venir te mettre au milieu? Je vois la chaise bouger, je vois le tissu bouger. T'es au milieu? Ok. Alors, maintenant que tu es invisible, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il y a... T'es où? T'es devant ou derrière moi? Ah pardon, je t'avais pas vu. Excuse-moi, évidemment, je te vois pas, mais je t'entends. Ah, ça y est, t'es là? Super. Ok, maintenant que tu es invisible, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais faire? C'est ton moment. Personne ne te voit, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais pas quoi faire? Eh bien, je vais te proposer quelque chose d'assez amusant. Je t'invite à reprendre place sur cette chaise et tu vas ramener un souvenir de ce moment d'invisibilité. Reprends ta place ici et regarde bien. Ne bouge pas. Léonore, est-ce que tu peux venir avec nous, s'il te plaît? Je vais faire une photo souvenir de ce moment. Évidemment, je ne te vois pas, hein, mais toi, tu me vois. Alors, je vais t'inviter à regarder dans l'objectif, ici. Attention, t'es prêt? On y va. 1, 2, 3. Yeah! Alors, tu sais ce qui est cool en plus, c'est que ça se développe automatiquement. Je vais te confier cette photo. Ouais, alors là, on ne voit rien, mais ça va mettre un peu de temps. Tu peux la garder avec toi, mets-la dans ta poche, si tu as une poche, mais très important, ne la perds pas. Garde-la avec toi. Bien! Maintenant que tu as testé l'invisibilité, on va faire la même chose, mais dans le sens inverse. Et on va donc te rendre ta visibilité. Est-ce que tu es prête? Alors on y va, attention, c'est parti!
Merci infiniment. Merci Grégoire aussi, hein. Génial. C'était bizarre, c'était bien, ça t'a plu? Est-ce que c'était cool d'être invisible? Tu sais, t'en as pas profité, mais tu aurais pu aller voir tout le monde, faire des chatouilles comme ça, ils n'auraient même pas pensé que c'était toi, toi. Et juste une chose, tu étais invisible, on a profité pour prendre une photo de toi avec Léonard. Est-ce que cette photo, tu l'as encore avec toi? Ouais, juste pour être sûr, est-ce que cette photo, quelqu'un est venu te l'échanger ou est-ce que c'est la même que depuis le début? C'est la même. Est-ce que tu peux simplement vérifier s'il y a quelqu'un à côté de toi? Oui, peut-être, mais est-ce que sur la chaise, il y a quelqu'un de présent? Il n'y a personne sur la chaise, sur cette photo qu'on a prise juste avant? Alors, il n'y a aucun doute, et je pense qu'on peut l'applaudir, c'est qu'elle était vraiment invisible pour le vrai. Bravo à toi, t'as été aucun. Garde la photo en souvenir et tu peux retourner à ta place. Donc, c'est pas mal dans les escaliers. Merci infiniment, encore une fois, Naïvi, s'il vous plaît. Il se passe des trucs bizarres aujourd'hui, mais les choses bizarres, c'est un peu la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous allez... Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Bisous, bisous, bisous.